Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en Face Commentary. Donc, vous le voyez, j'ai reçu la webcam. C'était hier soir, mais comme je suis rendu qu'aujourd'hui après-midi, ben, je fais une vidéo pour vous la montrer. Et aussi, vous allez voir autour de la vidéo, il y a l'encadré qui a un petit peu changé. C'était pour voir si vous préfériez comme ça, c'est un test. Pour me dire si vous appréciez comme ça ou si vous préférez que je fasse en plein écran comme d'habitude avec bêtement la webcam sur le coin. Enfin, soit vous me mettrez ça dans les commentaires si ça vous dérange pas. On se retrouve pour un petit épisode de la Capitime, donc en mode petit cochon. Bah, pour vous montrer un petit peu ce qui s'est passé, donc j'ai joué un petit peu le week-end durant les examens histoire de passer un peu le temps quand j'en avais un peu marre d'étudier. Le stuff n'a pas changé. Le cardiaque est niveau 95. J'ai juste équipé les moon boots, je pense. Et un deuxième anneau Alliance Illimel 31 que j'ai retrouvé sur un autre perso. J'ai toujours 18 millions. Je regarde si j'ai rien de nouveau. Je vous montre tout hein, avant de partir. Et ah oui, j'ai récupéré le stuff du steamer. Parce que pour le moment je vais le garder parce que voilà il m'est pas super utile. Peut-être que je le mettrai sur enfin je mettrai une partie sur les nids pour avoir plus de sagesse. Même si c'est à voir parce que je pense pas. Je crois que je mettrai que la coiffe à mon avis. Parce qu'elle donne plus que la presse-pique. Peut-être l'anneau aussi, ouais 34. Enfin soit je verrai bien avec le niveau. Donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ah oui, ben, comment j'ai fait pour up? Tout simplement, j'avais vu que dans les commentaires, il y a quelqu'un qui m'avait mis ouais, tu devrais faire la quête Tour du Monde. Donc c'est faire le tour du monde de Dofus. Donc faire 27 donjons, je pense. Et à chaque fois, aller reparler à un gars qui nous donne une clé. Et puis hop, on va faire le donjon. Il nous donne une clé, on va faire le donjon et ainsi de suite. Et là, j'en suis à l'étape. Étape 7. Non, je peux pas dire je suis à quelle étape en fait. Enfin, je suis à l'étape du dragon cochon. Donc, en même temps, ce que je fais, c'est je fais le donjon pour avoir la quête. Vous regardez ça, je suis en XP x3. Regardez ce que c'est XP, c'est quand même abusé. En plus, ça ramène un peu de Kama. Et en même temps, je fais les succès. Donc, niveau succès, j'ai déjà fait le melee, le tournesol affamé. Donjon Bouffe, Skara, Tofu, Chaffeur, Bourg, Forgeron, Chinlarf. J'ai pas encore été sur Automail, je pense. Il manque Nid Kwa Kwa. J'ai pas, j'ai fait Bulbig. Enfin, il m'en manque 3. Attendez, je compte. Non, 4 dans les 1 à 50. Je les ferai sûrement pendant la semaine. Et niveau de 51 à 100. Je n'en ai fait qu'un seul, c'est le crackler pour le moment. Parce que c'était l'étape précédente à la quête. Ah non, j'ai fait aussi la break meat, c'est vrai. C'était juste avant. Donc là, on va faire le dragon cochon qui est ici. Donc on va essayer de le faire, hein, parce que les challenges sont assez compliqués. Alors c'est Hardy. Donc vaincre le dragon cochon dans son donjon. Les personnages doivent terminer leur tour à une case adjacente à celle d'un adversaire. Donc au premier tour, je devrais foncer avec le sacri. Attirer le décès si je joue avant lui et comme ça ben, en même temps je tue les nids et je dois faire que versatile donc utiliser une seule action une seule fois par tour donc ça devrait aller et je vais vous montrer un petit peu l'XP donc là duo 2 millions 3 là 1 million 2 encore 1 million 2 encore 1 million 2 plus la quête ça me fait du presque 9 millions. Si je dis pas de conneries. Non, 8 millions. Pour un donjon, quoi. Donc, c'est vraiment bien. Donc, avec mes deux persos, comme ça. Lenny, il XP vachement vite. Donc, avec 8 millions, je crois que je devrais être niveau 97, 98. Et puis, en fait, j'essaierai de vous faire par étapes, comme ça, en vidéo, je pense. Et après, j'essaierai de faire une vidéo avec Clampin. Pour qu'on remette tout en ordre, qu'on voit où on en est. En dragonnet, cochon. En dragonnet. Ah oui!
Putain, j'étais en train de me dire, c'est pas normal. Par contre, on va enlever ça, sinon on pourra pas passer. Voilà. C'est bizarre qu'on soit comme ça. Ah ouais. Voilà, c'est mieux. Alors, vous avez obtenu un gaz maphétique. Ok. Oh, c'est quoi ce machin de merde? Et j'ai jamais fait attention, c'est qu'on avait un truc. Moins 3 de PO. Gaz maphétine a failli vous coûter la vie et il ne vous reste plus qu'à espérer que leurs effets s'estompent avant l'affrontement final. Oui, hein, parce qu'il y a 5 ou 6 salles dans ce donjon, donc ça devrait aller. Donc on est parti. On va juste décaler Lenny sur le côté. Non, pas là. Toi, tu vas venir à côté. Comme ça, tu donnes les PA. Et on va passer en tactique, histoire que ça aille plus vite. Non, c'est pas que ça marche pas. Par contre, je sens que je vais galérer avec les ports-saluts. Parce qu'ils ont 60% en air. Donc ça va être un peu chiant. Mais je pense qu'on devrait tourner sur 20-30 minutes le donjon. Donc ce sera une bonne durée de vidéo. En plus, je sais pas si vous remarquez, mais j'ai changé totalement la disposition de ma chambre. Donc maintenant, j'ai mon écran principal, c'est l'écran de ma télé. Et à côté, j'ai mon écran que j'avais avant. Donc j'ai deux écrans. Donc regardez ma souris. Bah, si je la fais là, maintenant je suis sur l'autre écran pour voir des choses sans passer tout le temps par le gros écran. Comme ça dénature pas l'image, on va dire. Et j'ai acheté une souris et un clavier sans fil pour pouvoir me mettre en face de la télé sans avoir les fils un peu partout et la webcam en même temps. Donc j'ai un petit peu investi, mais j'ai dit que pour les vacances et pour le Ghoul Terminator, je serai prêt. Et vous inquiétez pas, je le saurai. Voilà, toi. Voilà, au moins l'épée, elle fait mal. Ça, c'est bien. On va faire un petit peu de soin sur elle. Même si ça sert absolument à rien, vous allez me dire. Mais bon. À part les PA, en fait, pour le moment, Lenny ne sert absolument à rien. Mais, enfin, quoique si le Lapino, il fait des petits soins, ça fait plaisir. Des petits deux fois, ouais, il se fait 120, et avec les mots revitalisants, il soigne plus ou moins du 200 quand il veut. Donc, ça passe quand même. Avec rien que la régène de assaut, bah, j'ai pas vraiment besoin, en fait. On va faire une petite technique châtie forcée. Voilà. Ouais, non, il passe à travers les lignes de vue en plus. Donc je pense que les ports saluts avec un perso feu ou. Lui, c'est super bien. Je sais pas si vous avez déjà été sur. Dans le territoire des porcos. Maintenant, c'est des ports saluts, c'est plus des cochons blés. Et il y a beaucoup de groupes avec des étoiles. Et c'est vraiment un super endroit pour XP. Ouais, non, c'est absolument pareil ce que je tape. Espérons qu'il n'y aura pas trop de ports saluts dans le donjon, sinon on va mettre du temps pour rien. Allez hop. On va finir ici. Non, fais pas de CC. Ouais, bien sûr. Je ne fais absolument jamais de CC, j'en fais deux le même tour. Pourquoi je ne veux pas faire de CC? C'est parce que, avec la panoplie Nevark, dommage critique, c'est où ça? Dommage critique. Non. Et dommage critique. Là, dommage critique, j'ai moins 65. Donc j'ai beaucoup de dommages de base, on va dire. Mais j'ai très peu de dommages critiques. Donc c'est limite si je tape pas mieux en coup normal que en coup critique. Donc c'est à peu près pareil, mais il y a des sorts avec lesquels que je tape moins fort en coup critique. Genre assaut, comme c'est sur deux lignes. Et eh ben en CC, je tape moins fort. On est bien. Voilà, comme j'ai deux sorts avec une assez grosse régène. Et je finis souvent tous les combats full life, donc ça c'est bien. À part là, toi. Ouais, je crois qu'elle devrait être niveau 98. Si je réussis tout, hein, aussi, voilà. Là, il y a déjà plus qu'un seul port salut.
Commencer par lui, nom d'Orléans. Lui, il va ramasser. Pas de CC, regardez. 500 en CC en coup normal et 370 en CC. Non. J'ai cru. Franchement, j'aurais pas fait de CC, il était mort, je pense. Parce qu'il reste vraiment pas grand-chose. C'est vrai que j'oublie tout le temps de faire mon châti, mais. Le premier tour, je sais pas, j'ai pas le réflexe de le faire. Je le fais souvent au deuxième tour en fait, mon châti. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas moi-même, mais voilà, c'est un réflexe, faire toujours le châti au deuxième tour. Alors vous allez me dire c'est con parce que le premier tour, comme ils tapent tous, ben ça pourrait peut-être me booster, mais je sais pas. Putain, je veux pas de CC. Voilà, oui, j'ai remis un bâton Brel sur le sur la sacrée. Regardez, le stuff est pas du tout optique, elle est juste stuff, normal. Avec, j'ai pris le cac qui coûtait le moins cher. Et elle a pas de trophée ni rien donc. Donc c'est un. Merde, quoi j'ai fait. C'est un peu tendu pour le moment, mais franchement, elle gère pas mal du tout comme ça donc je m'en plains pas. Je l'aime bien comme elle est. Si je vois qu'un jour. L'optimisation s'impose, peut-être que je changerai les trucs. On commence à bien taper. Plus l'épée volante qui est bien parce qu'elle a beaucoup de PO, de PM, donc ça me permet de me faire des transports et d'arriver vite sur le monstre. Voilà. 1 million en plus. Enfin, franchement, c'est un bon petit donjon. C'est vrai que c'est un peu chiant pour y arriver, mais les maps sont magnifiques. Et voilà, les mobs sont pas compliqués, il n'y a pas d'état ou quoi. C'est juste au DC que c'est un peu plus chiant parce que voilà, on peut pas taper pendant 2 tours. Mais c'est franchement faisable, hein. Seul truc, c'est que je dois faire attention, c'est qu'au premier tour, le DC, il met son. Il met son genre de châtiment comme ça, mais c'est juste chiant parce que ça retire beaucoup de vie si on utilise des PA. Et en fait, non, j'ai rien dit. J'allais dire, tant que l'ennemi a pas beaucoup de vie, c'est bien parce que bah, comme ça, je peux faire un petit coup bêtement et il crève. Mais avant le boss, il aura sûrement up, donc ça changera rien. Faudrait que je le retue le combat avant contre la gorgouille. Que je n'ai pas encore monté, Fury, je devrais le faire. Parce que regardez, elle coûte 3 PA et au niveau 6, elle nous coûte 12 de dommages. Donc quand vous n'êtes pas au corps à corps de quelqu'un, si vous êtes en 12 PA, imaginez les boosts lancés par tour 4. Ça fait super mal. Hein. Ça nous boosterait de 48 dommages pendant 4 tours. Donc si on peut les cumuler à chaque tour, ça peut être vraiment violent. Oh non, ça m'énerve. 6 PV, franchement. Il est où aussi, il est là. Par contre avec Massacri j'ai un PM en moins par rapport à avant parce que j'ai gardé la DD que j'avais laissé dessus. La émeraude rouge s'étend sur le roubleur je pense là tout de suite. Pas de CC s'il vous plaît. Ah j'ai plus de PM. Bah, il va se faire une petite maîtrise pour le prochain tour. Pendant que les autres sont en train de focus mon épée. Oui il s'amuse bien. Heureusement, j'ai pensé à faire mon châti forcé au premier tour. Donc comme ça, je suis un peu boosté en terre. Là, je suis à 500 pour le moment. Alors, tac, tac. Et on va vous mettre la petite sœur. Voilà. Comme ça, il continue de la focus. Voilà, et ils font des bons dommages quand même. Hein. Ils ont tapé du 200. Et il a tapé du 27. Voilà. J'ai pas compris. Ah, elle avait peut-être des trucs moins dommages ou quoi. Enfin, je sais pas, j'ai pas fait attention. Voilà, on a bientôt fini le port salut. J'ai
J'aimerais bien afficher. Non. Non, voilà, les invoque. Pour voir. Ouais, voilà, c'est pour ça qu'ils tapent rien. Ils ont plein de stats en moins. Et lui, on va taper. Voilà, franchement, mon sacré, je l'aime bien. Il est R, il passe bien, il tacle, il tape fort, il régène. Rien à dire. Il a pas mal de vie en plus. J'ai plus de vie maintenant que la dernière fois qu'elle était au marteau reine. Mais c'est vrai, j'ai pas de trophée non plus, vous allez me dire. Donc j'ai pas le plus 100 agi et tout ça. Mais franchement, il est pas mal. Ok, j'ai compris. On va pas taper comme ça. Là. On est fini. Ah mais non, elle tape de rien parce qu'elle a tellement de malus. Elle a arrêté de taper carrément. Ça c'est pas mal. Il va par là. Il court, l'ennemi Repsa. Allez, voilà. Dedans. Oh yes, il n'y a pas de port salut. Ça va aller vite cette salle, je le sens bien. Voilà. Allez hop. En fait, le bâton Brel, il tape. C'est juste le fait qu'il tape en zone. En fait, il fait presque les mêmes dommages que Asso. Donc, c'est. Au moins, je peux me fixer. Je sais à peu près combien je vais taper. Donc, c'est ça qui est bien. Voilà. Voilà. En plus, on fait. Personne. Ouais. C'est le tien. Ah, il manque des PA. Fais chier, je peux pas le finir. Il devrait mettre un assaut à 3 coups par personne. Ce serait parfait. Bon, en fait, je devrais peut-être faire un petit châtie forcé. Je pense que ça ira plus vite. On va voir. Non, c'est chiant, châtie 200. Ouais, non, c'est bon. Allez, non, pas de CC. Alors, ouais, c'est bon, on reste à l'assaut, on est bien boosté en plus. Et hop là. Ah, j'ai entendu le bruit. Un petit up pour Lenny. Et un succès déverrouillé pour moi. L'élite bac à sable, qu'est-ce que c'est? Obtenir 1337 points de succès. Ah, je pensais que je l'avais déjà fait. Mais en fait, j'ai pas fait beaucoup de succès avec le sacré puisque je l'ai monté jusqu'au niveau 199. Juste à la bourgade, donc. C'est vrai que niveau donjon, je crois que j'ai juste les succès du RM dessus. Maintenant, j'en ai plus, mais pour le monter, j'en avais pas beaucoup. Lini qui a perdu. Ah, voilà, là. La petite animation. La gorgouille. N'empêche, ils ont repris le bruit du cri du tyrannosaure dans Jurassic Park pour la gorgouille. Allez hop, il met ses petites glyphes. On va se booster. On va mettre tous les trucs qui sont chiants. Voilà, mettre sacrifice sur lui. Comme ça, on garde les PA. En fait, ce qui est chiant, c'est que la gorgouille, elle tape tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et elle nous repousse tout le temps. Donc, avec la sacrée, c'est à chaque fois assez chaud d'être tout le temps au bon endroit. C'est pour ça que je laisse les nids dedans et je vais invoquer aussi. Comme ça, peut-être que la gorgouille va préférer taper eux que nous. Enfin, plutôt que nous. Parce que sinon, je ne saurais jamais la taper. Donc là, ça va, j'ai de la chance. Un petit chauffeur. J'aurais fait un chauffeur CC, j'aurais rigolé, mais très très fort. Elle tape. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Comme ça, il peut s'acharner sur les nids, on s'en fout. J'ai pas encore testé mode sacrifice. Combien ça rend?
Ouh là là, du 61. Pourquoi je peux pas revivre ça? Ah, j'ai plus de PO, d'accord. Il m'a enlevé quoi, 4 PO. Allez hop. Il y a quand même beaucoup de différence entre les coups normaux et... Ne t'acharne pas sur moi. Est-ce que j'ai monté le mode frayeur? Non, pas encore. Faudrait que je le fasse. Plus j'ai plein de points de dispo, on va taper. Non, j'ai même plus assez de PO pour pouvoir taper. C'est un peu exagéré. Bon, on avance bien. Il peut même pousser sur deux cases, quoi. Ça c'est un peu abusé par contre. Moi le truc je l'ai pas encore fait, à mon avis il doit aussi rendre 100, 150 je dirais. Arrête de me pousser. Et n'empêche, il y a un truc qui me fait rire sur ce boss. Enfin ce demi-boss. Regardez la taille de ses avant-bras. Regardez la taille de ses mains. Il a des toutes petites mains, mais c'est pas grave. On va lui donner des PO. On va se mettre un petit mode prêt. Et allez, un petit brel pour finir. Et voilà, on a reçu le parchemin d'attitude trace. Je pense pas que je l'avais avec le sacré. Détail. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Non, c'est pas ça. Bon, c'est vous marchez dans le caca. C'est pas mal. Alors, et on va arriver devant le fameux dragon cochon. Je crois même qu'il a un prénom, le dragon cochon, parce qu'en fait, j'ai la BD. Elle est pas là, elle est en haut dans près de mon lit, dans la bibliothèque. Mais j'ai un Dofus Monster. Merde, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas grave. Donc je disais, j'ai un Dofus Monster avec le spécial Dragon Cochon. Et dedans, j'ai l'impression qu'il a un prénom Dragon Cochon, mais je suis pas sûr. Il est où le cochon de phare? Il est là-bas. Donc, hardi et versatile, hein, qu'on a dit. Allez, on se prend de moi. On va juste 3 PA pour lui. Et voilà, on va se mettre avec lui, vous allez voir. Oh là là! Le fail! Quel con! Je me suis dit avec 3 PA ça va être bon, il aura juste assez pour... Oh le con! Oh, je sais pas comment je vais faire, j'ai que 3 PM avec les Nice. Non, peut-être si je le mets sur le côté, il y a moyen. Oh le fail! C'est pas grave. Je crois que ça a changé parce qu'avant ça enlevait juste de la vie. C'est pas grave. Plaine, moins 24. Voilà. On va y retourner vite fait. De toute façon, on peut se TP, hein, y a pas de souci. J'espère qu'il faut pas refaire le labyrinthe par contre, parce que ça c'est super chiant. C'est pas compliqué, mais c'est juste chiant à faire en fait. Parce que ce donjon, il n'y aurait pas le labyrinthe. Je crois que c'est un des donjons que je farmerais le plus. Parce que j'adore le donjon. Les mobs sont pas compliqués. Et les maps sont belles. Et le boss, ben voilà, il n'est pas compliqué. Une fois qu'on est un petit peu optime, c'est vrai qu'avec une mule, c'est un peu plus tendu. Mais je crois que je sais ce que je vais faire. Je vais mettre Lenny à la place du sacré, en fait. Et comme ça, Lenny, il aura 3 PA. J'irai au cake du DC avec les deux persos. Et comme ça, ben, le DC va tuer Lenny. Moi, j'aurais plus à le faire. Et puis, j'attendrai encore un tour que ça se passe. Et puis, je commencerai à taper avec Capricieuse. En plus, il y a un truc qui est stylé, je trouve, sur la sacrée. Regardez ça. Il y a le bouclier qui est assorti avec la coiffe. C'est con, mais je trouve ça pas mal. Bon, espérons que j'aurai assez de pain. Oui, ça. Je pensais que ça allait en bouffer plus, franchement. Ouais, parce que un problème d'une sacrée, c'est que
Elle est bien parce qu'elle se régène et tout, mais une fois qu'elle meurt, elle a tellement de points de vie à reprendre que ça bouffe blindé de pain. Alors espérons qu'on va. Ouais, ça va, on peut se TP ici. Et on peut recommencer aussi. Donc ça c'est bien parce que Lini n'a pas beaucoup de vie. Alors rentrer dans l'antre, retourner sur cette salle. Voilà, toi tu fais pareil. Et t'évites de te faire aggro comme un blédard. Et attendez, merde, il n'y avait pas de perco. Donc oui, je vais mettre la sacrée là. Mais non, là ça a changé. Putain, comment je vais faire? Il a combien de PM lui? Tant pis, on teste. Oh, il va me manquer un PM. En plus, il m'en retire des PM. Je fais comment? Putain! Ouais, je saurais pas faire truc, je vais juste faire Versatile. Tant pis. Faudrait que je revienne une autre fois le faire avec. Avec Lénu une fois qu'il sera un petit peu mieux stuffé. Et là, par contre, ouais, ça va, on a récupéré les PM. Voilà, je regarde juste combien de temps. Ouais, ça dure encore un tour. Donc, c'est bien ce que je pensais. Les deux premiers tours, on ne fait rien du tout. Et après, il pousse. On peut juste bouger. Moi, je vais bouger à fond. Parce que le DC, ben, vous pouvez voir, il tape assez fort. Il m'a fait de 350. Bon, vous allez me dire sur le sacré, je sens pas trop la différence. Mais voilà, c'est pour le principe. On va voir quand il enlève trop de PM, c'est exagéré. Voilà, maintenant je peux taper. Je vais me booster. On va lui foutre une épée. Comme ça, il va s'acharner dessus. Et au prochain tour, on ira taper dessus. J'aurais peut-être dû faire ma maîtrise aussi, j'avais pas pensé. Alors, le DC, voilà. Assaut. Un coup de brel et voilà. Par contre, faudrait que je me décale parce que s'il me pousse contre le mur, je commence à prendre cher. Oh, ça va. J'ai une case quand même de. Non, je veux qu'il me tape dans l'autre sens. Putain, il tape deux fois. Et boum. Ouais, non, encore un tour et ça devrait être bon. Tant pis, il me manquera juste le succès hardy. Tant pis, hein, je le referai. J'aurai quand même 3 succès. Non, 2 succès. Non, 3. Duo, versatile. Et le donjon normal, plus la quête. Donc, ouais, faudrait que je le refasse. Contre, il est pas sérieux, quoi. Mon épée, l'a même pas fini, il lui reste 17 PV. Voilà, on fait un maçon, on le finit. Merde, j'aurais dû faire un pied. Tant pis. On va s'attaquer au don d'organes. Là, on va essayer de se régénérer un maximum. Si on fait le CC quand il faut ou pas, c'est ça ma chance. C'est ma chance, ça, c'est toujours comme ça. Voilà, un petit coup de brel, voilà, on commence à être bien boosté en plus. On monte à combien? 1200 d'agi et 800 de force. On va leur faire une petite épée. Je me demande si... Non, non, j'ai rien dit. Si Versatile pouvait être cassé à cause du fait que les épées utilisent le même truc. Mais non, en fait, puisqu'ils tapent... Chacun leur tour, donc ça compte pas. On va finir sur un petit bâton brel. Non, elle a même pas fini. Bon, mais tant pis, un petit assaut, c'est. Voilà, donc 2,5 millions pour Lenny. Donc elle passe déjà à niveau 97. Putain, c'est exagéré l'XP. J'ai fait aucun tchal, 3 minutes, 2,5 millions. Je sens que. Je vais le faire plus souvent ce don. Pardon. Donc on a les succès. Avec la sacrée. Ah merde, je sais pourquoi. On les a pas. C'est niveau 100. Pardon, c'est pas grave. Je reviendrai le refaire.
Comme ça, je validerai, j'essaierai de valider Hardy. Une fois qu'il sera stuffé, hein, je reviendrai pour finir tout ça. Donc, faudrait que je passe niveau 100. Je vais voir à combien de temps je suis. Ouais, je suis à 30 minutes. Donc, c'est pas mal. Je vais juste rester avec vous. On va aller avec Lenny. Récupérer l'XP. Voilà. En plus, comme on a monté de niveau, l'XP augmente à chaque niveau. Donc, on va prendre 3 millions. Donc, on va encore monter un niveau. Donc on sera à niveau 98 comme je l'avais prédit. Sans les succès. Donc imaginez avec les succès, je crois qu'on serait passé niveau 100. Mais comme on les débloquera que au niveau 100, ben, ce sera pour le prochain donjon. C'est pas grave. Par contre j'aimerais quand même bien qu'il up niveau 100. Je crois que je vais faire un petit tour sur Clampin. Puis je reviendrai faire une autre vidéo sur Cardiaque. Histoire qu'on le passe niveau 100 en face. Ensemble, pardon. Et puis comme ça, ben, ce sera pas mal. Oui, Chris Noir, c'est. Donc en fait, il y a plusieurs persos, plusieurs PNJ, pardon, pendant la quête. Au début, attendez, je vais vous le montrer. Parce que je sais même parce que c'était super chiant. Au début, le gars, il se trouve là, dans la petite maison, au lac de Cagna. Ensuite, le deuxième, il se trouve ici quelque part, dans le contour d'Astrub, ici. Je dirais entre la statue sacrée et la statue Ossa, mais enfin, dans le contour. Et maintenant, le mien, il est là, juste devant Bonta. C'est plus facile pour y aller, parce qu'il suffit de prendre une popo et puis après on y est. Voilà, donc franchement, cette quête. Je vais arriver. Tour du monde. Si vous avez un autre perso HL qui gère pas mal de donjons en solo, enfin les donjons BL. Franchement, pour monter une mule, c'est vraiment bien. Et voilà, Chris ne rend pas ce niveau 98. Voilà, donc il m'a donné pour cette fois-ci le coulos. Ça, c'est bien parce qu'il me fallait la. J'ai assez de plantes en fait pour prendre le sort capture de Dédé sur le sacré, donc je le prendrai. Faudrait que je prépare ça. Et on sera le coulos, à mon avis. En vidéo ou pas, je verrai bien, mais en tout cas, il faut que le up 100, ben, il faut que vous soyez là. Et on va juste regarder. Alors, le coulos, il est là. Zombie et main propre. Ça va être chaud par contre. Zombie passe encore, mais le problème c'est que il tape super fort le coulos. Et main propre, ben, je dois finir avec les épées. Donc on verra bien. Et il faudrait que je finisse aussi. Tous les donjons de 1 à 50 histoire d'avoir la grosse XP ainsi que l'XP ici total avec l'emblème l'ornement et l'ornement ici batailleur honorable. Donc voilà, il m'en reste 4 à faire. Ce XP pas énorme mais bon c'est toujours ça de prix hein. Et comme ça ben, on pourra encore monter de niveau et peut-être pourquoi pas aux alentours du niveau 120-130 ben, commencer peut-être à stuff Lenny. Même si avant de restat intelligent, je pense que j'attendrai le niveau 145-150 pour avoir les trophées majeurs et la panoplie Shenmue, je pense que je vais la mettre. Ou je verrai bien en fait à la vitesse qu'il va XP. Si c'est trop long, ce sera 130. Et si ça va vite, ce sera 150. Et si ça va vraiment vite, ce sera niveau 163. Attendez, je l'ai ici sur le côté. On va aller voir pour la panoplie. Minotote. Panoplie. Non, la panoplie. Comme ça, mais ça me permettra d'avoir un stuff avec plus de soins. C'est Minotote, voilà. Et un petit peu de chance. Pourquoi pas faire un inhibi élément. Donc, chance et. Et un tel pour pouvoir taper avec mode rénant. Mode vampirique parce que regardez ça. Ça tape vraiment très très fort. Plus mode vampirique, voilà. Du niveau 1, on tape de 25 à 30. Au niveau 5, 33 à 38. En plus, c'est des vols de vie. Hein, donc vous reprenez votre vie à chaque fois. Et au niveau 6, 40 à 45. C'est abusé ce sort. En plus comblé. En plus, faudrait que. Ouais. Mais en doublon avec. Comment ça s'appelle ce truc? Molotov, voilà le nouveau sort de classe que j'ai pas encore été chercher au passage. C'est vraiment énorme les dommages que ça peut faire.
Donc là, on va monter Altru. On aura encore 10 points pour Reconce. Donc on en aura encore 7. Ouais, niveau 101. Faudrait que je monte. Me soigner niveau 5. Niveau 6, pardon. J'arrivais. Ouais, me soigner niveau 6. Et 103, je mettrais. 109, je mettrais Stimu. Ouais, non, je pourrais monter encore un autre. Je sais pas lequel. Mode silence, non. Mode imo, je crois que ça peut être pas mal. Parce qu'on a plus de PE, il n'y a que ça qui change. La PE est modifiable, donc ça nous donnerait une bonne PE. C'est vrai que mode imo, c'est pas mal, puisque comme j'ai pas de retrait PA ni PM. Ou un mode Renault. Ouais, puisque ça donne moins 3. Non, je le montrerai directement au niveau 6, le mode Renault, je pense. Et je montrerai mode imo à côté. On va mettre ça. Voilà. Je montrerai mode Renan par après. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. N'oubliez pas de me mettre dans les commentaires si vous avez aimé le nouvel encadré des vidéos comme ça ou si vous préférez le plein écran comme avant. Ben, j'espère que vous avez apprécié le face commentary, donc avec la webcam en plus. Et que vous avez apprécié la vidéo. Et si vous avez vraiment bien apprécié, vous mettez un petit pouce vert en dessous de la vidéo pour faire avancer ma chaîne. Et peut-être la partager à vos potes si vous avez bien aimé. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, les amis. Salut à tous!